Alors, dans la catégorie non, mais il s'en passe-tu des affaires dans le monde? On apprenait aujourd'hui que le président irakien Saddam Hussein s'est vu remettre samedi, lors d'une cérémonie tenue dans son palais à Bagdad, un exemplaire du Coran écrit avec son propre sang. C'est le fun, hein? Le chef d'État avait commandé l'ouvrage en 1997 afin de remercier Dieu d'avoir survécu à une carrière politique mouvementée. Alors rappelons que le livre Saint musulman comprend rien de moins que 360 000 mots. Afin de parler de cet ouvrage, Saddam Hussein était d'ailleurs récemment l'invité de M. Bernard Pivot à son émission Bouillon de culture. Oui, bienvenue à Bouillon de culture. Cette semaine, nous recevons Monsieur Saddam Hussein, c'est ça, qui est de la région de... Bagdad. De Bagdad, voilà. Bon, alors, Monsieur Saddam Hussein, vous nous avez apporté un exemplaire du Coran, écrit avec votre propre sang, n'est-ce pas? Alors, maintenant, j'ai envie, combien de litres de sang cela a-t-il représenté pour vous? 260. Oh là là, c'est très impressionnant, c'est très impressionnant. 260 litres de sang. Oh là là, 260 litres de sang pour... Alors, si je comprends bien, chez vous, Monsieur Hussein, il n'y a pas le syndrome de la page blanche, mais bien celui du globule blanc. Voilà. Médicalement parlant, bien sûr, c'est très drôle. Maintenant, Monsieur Hussein, je vous demanderais bien un autographe, mais malheureusement, je n'ai pas de scalpel sur moi. Maintenant, alors, un Coran écrit avec votre propre sang, cela... Enfin, à mon avis, cela mérite au minimum un prix littéraire. Alors, que diriez-vous, Monsieur Hussein, que diriez-vous, j'ai avec moi, que diriez-vous d'un petit beignet? Le café viendra plus tard, après, bien sûr, l'émission. Vous savez que... Oh là, vous savez que j'ai fait lire votre livre à un ami, il l'a littéralement dévoré, c'est un vampire. Très bien, merci infiniment, Saddam Hussein. Alors, ne manquez pas la semaine prochaine, nous recevons Mademoiselle Fabienne Larouche qui nous révélera qu'elle a écrit tous les épisodes de Virginie avec une autre matière sécrétée par son corps et je ne vous dis pas laquelle. À la semaine prochaine. C'est tout pour les petites vites. Oui, c'était vite, mais avoue que c'était bon pour moi, chérie. C'était vraiment bon.